gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là ce matin? Alors sans plus tarder, on va reprendre la deuxième partie de notre message, les sept piliers d'une maison prospère. Alléluia! Les sept piliers d'une maison prospère. Je vais récapituler un peu ce que nous avons dit la semaine dernière pour que vous puissiez voir, savoir à peu près où est-ce qu'on est noté. Amen. On a dit que pour qu'une maison soit prospère, la Bible le dit dans le livre de Proverbes, n'est-ce pas, dans le livre de Proverbes 9.1, la sagesse a bâti sa maison sur sept piliers. On a dit que les piliers que le Seigneur nous avait donnés, ce n'était pas pour dire que si tu es en dehors de ces piliers, ce n'est pas bâti, mais c'est sept piliers que le Seigneur nous a donnés pour cette saison. Alléluia. Ensuite, la parole nous disait, on a dit que ces piliers que nous avons choisis, ces piliers que la parole de Dieu nous a donnés, c'était l'occasion pour nous de ne pas dire que s'il n'y avait pas Jésus dedans, que ce n'était pas un pilier, parce que Jésus est le rocher sur lequel les piliers sont bâtis. Que quelqu'un dise le rocher. Jésus est en fait la fondation sur laquelle les piliers tiennent. Et quelquefois, il faut creuser pour aller jusqu'à la fondation et toucher le Jésus et pour être bâti sur Jésus. Dis à ton voisin, sois bâti sur Jésus. Ensuite, on a vu que nous avions le premier pilier qui était le pilier de l'amour, le deuxième pilier qui était celui de la prière et le troisième pilier qui était celui du respect. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On a vu que ces trois piliers étaient extrêmement importants. On a vu que dans nos sept piliers, on allait avoir trois axes pour chaque pilier. Et étant donné qu'on est dans un jeûne de 21 jours, ce qui tombe parfaitement bien, on a vu trois axes pour chaque pilier. Le premier axe pour celui de l'amour, c'était de te dire que Dieu était amour. Dis à ton voisin, Dieu est amour. Le premier axe, c'était celui que Dieu était amour. Le deuxième axe, c'était de savoir que l'amour était patient. Quelqu'un dise l'amour est patient. Le troisième axe, c'était de dire que, bien évidemment, l'amour n'est pas méchant. D'enlever toute forme de méchanceté, de haine, de jalousie, de rancœur, tout ce qu'il n'y a pas de Dieu, on le retire. Amen. Le message est disponible sur YouTube, donc vous pourrez aller le voir, voir la rediffusion, ça passera beaucoup mieux. Sur le pilier de la prière, on a parlé des trois différentes dimensions de la prière. N'est-ce pas? On a parlé de la prière individuelle. N'est-ce pas? On a parlé de la prière de témoignage, qui est l'alliance entre deux ou trois personnes, et on a parlé de la prière d'assemblée. Voilà pourquoi est-ce qu'on a une vie chrétienne qui est réellement bâtie sur la prière, est une vie chrétienne qui est bâtie sur ces trois piliers. Je prie seul, je prie avec des frères et sœurs qui sont mon cercle clos, et je prie avec l'assemblée. Dis-moi amen comme si tu comprenais ce que je te disais. Amen. Et enfin, on a vu les axes de ce qu'on a appelé le respect, qui était quelque chose d'important. Également dans la parole de Dieu, on a parlé du respect envers les autorités, que ce soit les parents, que ce soit les autorités étatiques sous une certaine forme. On a parlé des autorités ecclésiastiques, n'est-ce pas? On a parlé des autorités en termes d'époux, okay, que les époux se doivent bien évidemment le respect. Et on a parlé de respect en termes personnels. Respecte-toi dans ta vie, respecte-toi concernant les choses que tu fais, respecte ce que Dieu te dit, respecte-toi. Amen. Donc c'était les différents piliers que nous avions, respecter sa langue, sa parole, son habillement, respecter sa façon d'être. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce matin, on va tâcher d'enchaîner les différents piliers. Je pense qu'il y en a deux sur lesquels... parce qu'on est à trois, je pense qu'il y en a deux ou trois sur lesquels on va s'attarder un peu plus, du moins un ou deux sur lesquels on va s'attarder, et les deux autres, on sautera pas, mais ce seront des thèmes qui vont être récurrents dans notre façon de vivre dans ce ministère, sur lesquels on a déjà prêché, sur lesquels on va revenir bien évidemment, mais je vais passer un peu plus de temps sur ces piliers-là, parce que je crois que ça va être important. Alléluia! Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là? Oui. Seigneur, merci pour ta parole que ton serviteur s'apprête à annoncer. Père, alors que ton serviteur s'apprête à annoncer ta parole, place de la sagesse sur sa langue. Que sa langue soit celle d'un épéiste aguerri, Seigneur. Utilise-le puissamment, remplis-le d'onction, Seigneur. Que la chair fasse silence et que ton esprit soit capable de le diriger et de le conduire. Merci parce que tout esprit en ce lieu est soumis à la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Merci, ô Père, parce que également, alors que nous sommes dans ce lieu, tu t'apprêtes à parler aux vies de façon individuelle.
Merci parce que mes yeux s'ouvrent non seulement aux réalités naturelles, mais aux réalités spirituelles. Merci parce que mon oreille n'est plus l'oreille d'un homme, mais l'entendement d'un Dieu en ce lieu. Merci parce que mon corps devient le réceptacle de la présence de Dieu. Merci parce que lorsque je touche, ce n'est plus le Seigneur, ce n'est plus moi qui touche, mais c'est le Seigneur qui touche. Merci parce que ce vase de terre ne représente que la gloire de celui qui a déposé son esprit dedans. Que la gloire te revienne à toi seul, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Le quatrième pilier d'une maison prospère. Que quelqu'un dise le quatrième pilier. On va parler de quelque chose qui va être important pour qu'on ait une maison prospère. On va parler de finances. Que quelqu'un dise les finances. Que quelqu'un dise les finances. Alors, dans ce pilier des finances, c'est important de savoir que quelquefois, dans la foi, on a une façon de voir les finances qui semble être opposée quelquefois à la parole de Dieu. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire en fait avec les finances, avec l'argent. On ne sait pas exactement quel rapport est-ce qu'on doit avoir avec l'argent en tant que chrétien, mais en même temps, on est humain. On ne sait pas exactement. On essaye de se référer à ce que Jésus dit. Bon, Jésus a dit une chose par-ci, une chose par-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, est-ce qu'il faut écouter Jésus? Est-ce qu'il faut écouter les apôtres? Est-ce qu'il faut écouter ceux qui sont passés auparavant? On va essayer d'avoir une perspective, du moins, sur trois axes. On ne pourra pas finir l'histoire, l'historique des finances ce matin, vous vous en doutez. Vous n'aurez pas toute la perspective dessus. Mais je vais m'efforcer de parler de ce dont il s'agit lorsqu'on bâtit une maison prospère. On ne peut pas bâtir une maison prospère sans considérer les finances. On a dit que les finances étaient dans différents axes. On a dit qu'une maison, ça pouvait être une maison familiale, ça pouvait être une église, ça pouvait être un gouvernement. Une maison, ça peut être différentes choses. Est-ce que tu me suis? Et quelle que soit la maison que tu es en train de bâtir, quel que soit ce que tu es en train de bâtir comme maison, j'aimerais te dire que tu as besoin de finances, tu as besoin d'argent, tu as besoin de ressources. Tu ne peux pas bâtir de maison sans ressources. Ici, pour bâtir cette maison, on a besoin de ressources. Pour que Salomon puisse bâtir le temple, crois-moi, il a fallu des ressources. Pour que tu puisses acheter une maison, jusque-là, tu ne vas pas là-bas et tu dis « Bonjour, je suis fils de Dieu ». Ça peut arriver, mais ma foi, dans 99% des cas, si tu arrives, tu dis « Bonjour, je suis fils de Dieu, j'aimerais que vous me donniez cette maison ». Alors Carla, qui est immobilière, je ne sais pas si tu le ferais, si tu donnerais. Tu l'as dit, ah d'accord, bon bah, j'arrive lundi au bureau. J'arrive lundi au bureau, on va voir si tu me la... Ah, elle va pousser, voilà. Donc, le discours commence à changer, n'est-ce pas? Donc, bien évidemment, ça requiert des finances. Pour venir ici, comment tu es venu? Ça requiert des finances. Si tu as pris le train sans payer, tu as fraudé. Donc, c'est... Et si tu as fraudé, c'est aussi parce que peut-être tu n'avais pas les finances. Si tu as pris ta voiture, quand tu es rentré dans ta voiture, tu t'es arrêté à une station. Donc, tu as mis du carburant. Quand tu as pris ta voiture, tu l'as acheté ou tu l'as emprunté à quelqu'un qui l'a acheté ou quelqu'un a dû acheter. Si tu reçois quelque chose de gratuit, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé. Si tu utilises quelque chose gratuitement, c'est qu'il y a quelqu'un qui est finalement en train de payer quelque part. Tu as l'impression que Facebook est gratuit parce que c'est toi le produit. J'ai l'impression que les réseaux sociaux, c'est gratuit parce que c'est toi qui es le produit. Quand tu rentres dans cette même voiture, tu payes l'assurance. Tu arrives ici, quand tu rentres dans ce lieu, pendant que tu rentres, sache qu'à un moment, il y a un panier qui va passer. On va te dire, il faut donner sur un site internet. Il y a de l'argent. Donc, depuis ce matin, si tu as mangé, si tu n'étais pas en jeûne et que tu as péché en mangeant... Non, relax. On est dans la nouvelle alliance. Amen. Mais dans la nouvelle alliance. Donc, si tu as mangé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dépensé. Parce que tu as mangé jusque-là, sauf vraiment si le Seigneur t'a envoyé la manne qui vient du ciel. Quand tu as mangé, quelqu'un a dû acheter quelque chose, quelqu'un a dû payer, n'est-ce pas? Demain, certainement que c'est la rentrée, tu vas aller quelque part le matin, tu es déjà stressé, tu es dans le culte actuellement, mais tu penses déjà à quelque chose demain, parce que ce que tu vas faire demain, c'est pour te rapporter quoi? De l'argent. Mais tu crois qu'on va te rapporter de l'argent, mais la personne pour laquelle tu travailles pense aussi que toi, tu lui rapportes de l'argent. Donc, tout le monde pense à ton argent. Tout le monde pense à ta poche. Quel que soit ce qui se passe, tout le monde pense à ta poche.
Donc, si tu n'es pas conscient des finances, quel que soit ton âge, et si tu te dis « je suis trop jeune pour penser aux finances », tu es grandement dans l'erreur. Si tu te dis « je suis trop vieux pour penser aux finances », tu es également grandement dans l'erreur, parce qu'on va voir que les finances sont une question. La réalité, c'est que la parole de Dieu nous parle du fait de laisser un héritage. Donc, tu n'as jamais fini. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Si tu es une femme, tu te dis « je compte sur mon mari », il faut faire très attention aux conséquences de cela. Tu es appelé à réussir aussi, on va le voir également. Amen. Si tu es un homme, tu n'as pas le choix. Yes. Amen. Trois personnes arrivent à avoir de la compassion sur cette terre. Les femmes, les chiens et les petits-enfants. Si tu es un homme, tu es la dernière catégorie des personnes. Dans un bateau, si on doit secourir les gens, si tu es homme. Donc, ce qui signifie que si tu es un homme, comme moi, tu as encore plus de responsabilités que jamais quand il s'agit des finances. Que quelqu'un me dise « Amen ». Donc ça, c'est une réalité, que tu le veuilles ou pas. Donc, on se doit de regarder les finances de façon très, 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 très sérieuse. Amen. Et le premier point concernant les finances, le point numéro un, c'est le travail. Que quelqu'un dise le travail. Le travail. Le travail. Le travail. Il est important pour nous de comprendre que pour générer de l'argent, l'un des moyens premiers, c'est le travail, et également parce que le travail va être quelque chose que le Seigneur nous a donné. Mais j'aimerais qu'on voit le travail différemment de ce que ce soit une sanction ou une punition. Que quelqu'un dise une sanction ou une punition. Si tu vois le travail comme une sanction ou une punition de Dieu, tu verras également ton salut avec le Seigneur comme une punition ou une sanction. La Bible dit « Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut ». Crainte et tremblement, ça fait extrêmement peur. Et ensuite, elle lui dit « Car c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire ». C'est Dieu qui dépose en vous la capacité de le faire. Quand tu vois et que tu regardes le travail, il faut que tu vois ça comme une capacité que Dieu te donne d'intervenir dans la société. Que quelqu'un me dise « Amen ». J'aimerais qu'on aille dans le livre de Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 3 au verset 10. 2 Thessaloniciens 3 au verset 10. Alors, je vais démarrer ailleurs. On va aller d'abord dans le livre de Genèse. Comme ça, on va démarrer du début. Genèse 3 au verset 19 qui dit ceci. « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Donc c'est Dieu qui s'adresse à Adam, bien évidemment vous connaissez, après la chute Dieu va s'adresser à Adam et va lui dire « bon ok, voici ce qui s'est passé, je maudirai la terre, mais voici ce sera plus difficile pour toi d'aller dans la terre, tu devras travailler ». Alors il ne s'agit pas que de la terre ici, mais il s'agit du travail en général. 80% des gens quand ils vont au travail c'est difficile pour eux, c'est difficile. Tu vas dans un travail que tu n'aimes pas, c'est dur, tu as des collègues que tu n'aimes pas, la terre est difficile. Ça fait partie de ce qu'on appelle la malédiction de la terre. Mais frère, sœur, tu es un fils, une fille de Dieu, tu n'es pas obligé d'avoir ça parce que tu as été racheté à Christ. Ce qui veut dire que tu as le droit, toi, d'avoir un travail où ta sueur vient par de l'amour. Tu aimes ce que tu fais. D'accord ? Pour avoir des finances... Tu peux aimer ce que tu fais. Dis à quelqu'un, tu peux aimer ce que tu fais. Éphésiens 4 au verset 28 nous dit quelque chose d'important. Éphésiens 4 au verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que celui qui était voleur, qu'il arrête de voler. Alléluia. Que celui qui était voleur, qu'il arrête de voler. Que celui qui trichait pour avoir, qu'il arrête ça et qu'il travaille de ses mains. Qu'il trouve un travail, une fonction, une mission. Ça ne sert à rien d'être chrétien et de se dire non, je prends que certains aspects de ça, la parole. Non, la Bible parle ici du fait de travailler. Le truc, ce n'est pas de voler, c'est de travailler. Dis à quelqu'un, travaille. Travaille. Et tu travailles non pas seulement pour toi, mais pour aider ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. La Bible dit, tu arrêtes, tu volais aux autres. Tu as compris le changement? Lorsque tu étais dans le monde, lorsque tu étais dans les ténèbres, tu volais aux autres. Désormais, non, non. Tu travailles et lorsque tu obtiens pour donner aux autres. Amen. Il y a un changement qui s'opère ici. Amen.
2 Thessaloniciens 3, 10. Est-ce qu'on peut avoir 2 Thessaloniciens 3 au verset 10? Est-ce que quelqu'un peut le dire? De Thessaloniciens 3 au verset 10. Yes. Alléluia. La Bible dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mm-hmm. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Jusqu'à preuve du contraire, tu as besoin de manger. Donc si tu ne veux pas travailler, le jeûne de 21 jours pour toi, c'est un jeûne de 365. Voilà. Donc tu peux dire à quelqu'un, si tu veux jeûner, tu peux. Donc ici, le but, ce n'est pas de jeûner. Hein. Je ne veux pas t'encourager à jeûner 365 jours, mais la Bible te dit, si tu veux manger à ta faim, il faut que tu travailles. Dis à quelqu'un, travaille. La Bible dit, donc on voit que le travail, c'est quelque chose d'important dans la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes 13, au verset 4, quelque chose d'intéressant, et j'aimerais vous parler... Vous faire voir une notion ou un rapport avec le travail qu'on ne voit pas forcément. Et c'est ici qu'on manque en tant que fils et fille de Dieu. Proverbe 13 au verset 4. Proverbe 13 au verset 4. La Bible dit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Yes? Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Mais l'âme des gens diligents sera rassasieux. La version une seconde nous dira même, au contraire, ceux qui travaillent obtiennent ce qu'ils veulent. Être diligent, ceux qui vont aller travailler vont obtenir ce qu'ils veulent. Est-ce que vous savez que c'est frustrant de vouloir tout un tas de choses et de ne jamais l'avoir? C'est le prototype exact de ceux qui veulent des choses de marque, qui regardent qui regardent ce que leur offre la télé, les réseaux sociaux, l'image, les uns, les autres, les gens qui connaissent toutes les marques. J'ai du mal à voir les gens qui, de loin, n'ont pas les moyens d'avoir certaines choses, mais dès qu'ils voient quelqu'un, ils savent exactement comment est-ce que la personne est habillée. Ils savent où est-ce que la personne a trouvé ça. Si tu ne travailles pas, comment est-ce que tu peux vouloir dépenser et connaître tout ce qui coûte cher? Alors peut-être c'est une action de foi pour dire que Dieu t'emmènera là-bas, mais tu vas te causer plus de problèmes qu'autre chose. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Et quand tu as des désirs que tu ne peux satisfaire parce que tu ne travailles pas, tu ne fais que souffrir. Ça ne sert à rien d'avoir des désirs qui sont au-delà de ton porte-monnaie. J'ai dit à ton voisin, pas à toi, de ne pas avoir des désirs que son cœur ne peut satisfaire. Je n'ai pas dit ça à toi, j'ai dit ça à ton voisin, parce que toi, je sais que tu n'es pas comme ça. C'est vrai, non ? Amen. Toi, tu n'es pas comme ça. Mais ton voisin, peut-être que lui, il faut lui dire, change. Dis à ton voisin, change. 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 Tu ne peux pas avoir des désirs que ton cœur ne peut pas satisfaire. Vis avec le salaire qui te convient. Vis avec le travail, avec ce que tu peux avoir. Amen. Ce que le travail peut te donner, ce que tu peux dépenser, c'est ce que tu dépenses. Parce que sinon, tu mets ton âme dans des situations bizarres. Des fois, on a des gens qui sont frustrés, mais ils sont frustrés pas parce que c'est Dieu qui ne truque pas. Pas parce que la vie est difficile, non, c'est juste parce qu'ils ont des désirs qui dépassent leur paresse. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. J'aimerais qu'on aille dans le livre, dans le psaume 128. Non, d'abord, on va aller dans le livre d'Ecclésiaste 3, au verset 13. Ecclésiaste 3, verset 13. Mm-hmm. Si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. D'accord. La version 8 secondes va nous dire, quand quelqu'un mange, boit et profite des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. Est-ce que quelqu'un a ça? Quelqu'un a ça? S'il y en a un qui mange, qui boit et qui profite de son travail, c'est un don de... J'ai dit, c'est un don de Dieu. Amen. Si tu n'es pas en mesure de profiter dans ton travail, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'es pas en mesure, et c'est là, ici, qu'il faut être en mesure de se lever en prière et de détecter les anomalies spirituelles. Tu peux détecter des anomalies spirituelles ou des incohérences spirituelles dans ta vie naturelle.
quand tu es quelqu'un de spirituel, tu es capable de détecter des anomalies spirituelles dans ta vie naturelle. C'est-à-dire que tu travailles, mais à chaque fois que tu travailles, il y a comme un dévoreur qui vient pour quelque chose. Toujours des imprévus. Il y a toujours une maladie qui vient faire que c'est toujours comme ça. Il y a toujours du manque. Et pourtant, tu travailles toujours. A priori, ton travail devrait être assez pour subvenir à tout. Mais tu es toujours en manque. La Bible dit non, c'est un don de Dieu de pouvoir boire et profiter. Tu devrais être en mesure de te réjouir. Et si le monde te dit que tu ne devrais pas être en mesure de te réjouir, tu n'appartiens pas au monde, tu appartiens à Dieu. Non, il n'y a qu'une partie de l'église là-bas qui appartient à Dieu. Tu appartiens à Dieu, donc tu devrais être en mesure de profiter de ton travail. Tu devrais être en mesure de jouir de ton travail. N'est-ce pas? Psaume 128 au verset 2. Je crois que j'ai pris la version courante. Si ce n'est pas lui second, I believe, maybe. C'est lui second que vous avez. Lorsque vous lisez, c'est lui second. Très bien, very good. Donc c'était Pasteur Al qui a une autre version. Comment? Ok. Psaume 128 au verset 2. Au verset 2. Je lis. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu es prospère. Tu jouis alors du travail de tes mains. On peut lire le verset 1 comme ça pour qu'on puisse voir. Heureux, alors, cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Qui marche dans ses voies. Qui marche dans ses voies. Tu jouis alors. Tu jouis alors. Tu travailles de tes mains. Tu travailles de tes mains. Tu es heureux. Tu es heureux. Tu prospères. Tu prospères. Mais c'est l'homme qui fait quoi? Qui travaille. Mais le verset numéro 1 nous dit quoi? Il craint l'Éternel. Il craint l'Éternel. Il marche avec Dieu. Ici, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la crainte de la peur. Ce n'est pas la crainte, j'ai peur, Dieu va me brûler en enfer, etc. Non, c'est la crainte de l'Éternel, la crainte révérentielle de Dieu. Je crains Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Je ne suis pas là pour blasphémer quotidiennement. Ce n'est pas parce que le monde va dans une direction, un tel insulte les parents, on parle de cette façon, tout le monde vole, tout le monde triche. Tout le monde est déprimé, oppressé, stressé. Tout le monde tue son corps d'une certaine façon. Tout le monde donne son corps. Tout le monde fait ceci. Et donc, je fais exactement. Non, moi, je crains l'Éternel. Je marche avec lui. Et ici, la Bible dit, à ce moment-là, le travail de tes mains te fait prospérer. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont la prospérité à l'intérieur d'eux? C'est-à-dire que ce que tu touches, ça prospère. On te déplace d'un service à un autre, le service change. Tu comprends? On te met quelque part dans le travail, tu prospères dans le travail. Même si on te met en tant que balayeur, tu es le meilleur balayeur, il y a quelque chose dans le fait de balayer. Même si tu es le plus bas d'une société, on sait que dans ta fonction du plus bas, tu as la capacité d'aller très haut. Est-ce que quelqu'un suit? Et ça, c'est quelqu'un qui craint l'Éternel. Amen. Hein? Donc le fruit de tes mains est censé te faire prospérer. Et ça également, ça vient de Dieu. Quand quelqu'un dit « ça vient de Dieu ». Ça vient de Dieu. J'ai dit « ça vient de Dieu ». Le travail ici n'est pas censé être pour un enfant de Dieu une punition. Le travail n'est pas censé être pour un enfant de Dieu un endroit où tu es stressé tous les jours. Où tu es constamment dans la... Quand tu rentres de là, quand tu y vas... Non, si c'est comme ça, arrête. Tu as une vie, tu as une destinée en Christ. Trouve mieux. J'ai dit trouve mieux. Amen. Tu peux trouver mieux. Et écoute, il y a du travail, il y en a encore. Je ne veux pas parler comme un certain monsieur qui a dit qu'il faut traverser la rue, c'est peut-être pas aussi simple. Mais il y a des choses que tu peux trouver, que quelqu'un dise tu peux trouver. Tu peux trouver ce qui te convient. Tu trouveras ce qui te convient au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur donne du travail à ceux qui le cherchent au nom de Jésus. Et le Seigneur dit que ton travail, le travail qu'il te donne, c'est un travail qui te rend prospère. Ça veut dire que ce travail n'est pas juste censé être là pour toi, pour un temps, pour que tu puisses juste dépenser. Non, ce travail est censé te rendre
riche. Et la richesse, ce n'est pas forcément la richesse où tu auras l'abondance ultime à en jeter. Non, ça veut également dire tu ne seras pas dans le manque. Tu ne seras pas dans le besoin. Tu comprends? Ce que tu touches se multiplie. Il y a une capacité à se multiplier et ça, ça vient de Dieu. Dis à ton voisin, sois multiplié au nom de Jésus. Dis à ton voisin, sois multiplié au nom de Jésus. Vu comment tu dis ça à ton voisin, j'ai l'impression que tu n'y crois pas. J'aimerais que tu te lèves et que tu pries pour un voisin, une voisine, et que tu pries que le fruit de son travail porte du fruit maintenant. J'aimerais que tu te lèves et que tu trouves quelqu'un et que tu pries pour un frère, que tu pries pour une sœur. J'aimerais que tu te lèves en prière et que tu pries pour quelqu'un et que tu lui dises que tes mains prospèrent, que le fruit de ton travail te fasse prospérer dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, amen, 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 amen. On applaudit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, quelquefois, on ne prend pas assez le temps de regarder la parole de Dieu dans ces domaines-là et du coup, quelquefois, nos sujets de prière sont erronés. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de prier quelquefois pour des choses qui sont importantes. Pourtant, tout le monde travaille, mais des fois, il faut prier pour notre travail et prier pour nous parce que le travail est à l'intérieur de nous. Dieu bénit des hommes. Est-ce que vous comprenez que le péché n'a pas fait que Dieu a maudit Adam, Dieu a maudit la terre, mais Dieu bénit des hommes. Voilà pourquoi est-ce que Abraham a regardé Lot et lui a dit, choisis l'endroit où tu veux aller. Choisis. J'irai dans un endroit. Et l'endroit dans lequel j'irai, ça marchera. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle j'irai, ça marchera. Le projet que j'ai, quel que soit le projet, c'est ce projet qui marchera. Choisis la zone où tu veux aller. Moi, j'irai dans une zone, c'est pas grave. Ça marchera. Parce que c'est l'homme qui est béni. C'est l'homme qui est béni. Je dis, c'est l'homme qui est béni. J'aimerais t'expliquer quelque chose également auquel tu n'as pas forcément fait attention. J'aimerais qu'on lise Luc au verset 10. Au chapitre 10, au verset 7. Luc 10, 7. Luc 10, 7. Un mot, une phrase qui est souvent citée, une expression populaire qui est souvent citée, et je vais revenir dans quel contexte est-ce qu'elle est citée, et j'espère que tu vas tenir avec moi actuellement. Parce que des fois, les gens ne tiennent pas. Luc 10, verset 7, si on peut le lire. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Et les gens me disent souvent, n'est-ce pas, tout travail mérite salaire. Vous connaissez cette expression? Tout travail mérite salaire. Voilà, tout travail. Quand tu travailles, tu t'attends à un salaire, n'est-ce pas? Bon, sauf si tu es stagiaire, quand tu vas le matin, si à la fin du mois, celui qui est ton employeur te dit, bon, ce mois-ci, tu as travaillé, que la grâce de Dieu t'accompagne. Je pense que le dimanche d'après, on va avoir un rendez-vous dans le bureau. Un frère ou une sœur va me dire, je crois qu'il est possédé. Même s'il te dit, c'est la grâce de Dieu, tu vas dire, non, là, il n'y a pas de grâce de Dieu ici. L'ouvrier mérite son salaire, n'est-ce pas? Donc, tout travail mérite un salaire. Quand tu travailles, c'est pour être payé. Hein. Cherche là où on te paiera le mieux. Écoute, sauf si Dieu te dit d'aller ailleurs, dans la sélection, qu'est-ce que tu choisis? Là où on te paye le mieux, là où tu as le plus d'avantages. Tu ne vas pas pour être bénévole dans la vie. Pareil, j'aimerais parler aux plus jeunes qui sont ici, qui sont en phase d'orientation.
Ne choisissez pas des orientations ou des orientations scolaires qui ne servent à rien. Merci. Ou dans lesquelles ce n'est pas payé. Va là où on va te payer. Hein. Si tu peux faire une passion qui rapporte, gloire à Dieu. Si tu arrives à monétiser ta passion, gloire à Dieu. Mais si tu as une passion et en plus que tu poursuis des études qui vont t'amener à rien, laisse ça. Hein. Trouve quelque chose qui va te... J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen parce que des fois, tu vas vers les personnes qui t'orientent et on t'oriente vers des choses qui vont ne te rapporter rien. Tu sais pas ce que tu veux faire. Cherche ce qui rapporte. Ah, allez. Tu veux pas me dire amen, c'est pas grave. J'ai dit, l'ouvrier mérite son salaire. Tout travail mérite son salaire. Il y a un salaire que tu mérites. Maintenant, j'aimerais te dire une réalité sur le salaire avant que je passe à la prochaine phase. Le salaire n'est pas fait pour que tu t'enrichisses. Personne ne te paye pour que tu t'enrichisses. On te paye pour que tu aies assez pour vivre et pour que tu reviennes le lendemain. Ok ? Ça, c'est un salaire. Parce que si on te paye assez pour que tu ne reviennes jamais, ok, supposons que tu as ton travail actuel, tu travailles, et à la fin du mois, ton travail actuel, je ne sais pas ce que tu fais comme travail, à la fin du mois, ton patron, il arrive et il te dit, bien travaillé, il te donne 5 millions d'euros. Je reçois. Alors, sauf si vraiment tu as un sens, tu aimes vraiment ce que tu fais, le mois prochain, le mois d'après, est-ce que le lundi d'après, si tu reçois ta paye vendredi, réfléchis bien, est-ce que le lundi d'après, tu seras présent? RTT directement. Bon. Le frère Christian nous a dit, lui, direct, retour. Donc, bien évidemment, le salaire a une mission, a un objectif. Mais j'aimerais soulever un autre point ici que vous n'avez pas vu et je vais en offusquer des plus religieux. Pardonne-moi, je vais te blesser un peu. Dans quel contexte est-ce que le Seigneur Jésus, parce que c'est Jésus qui parle, dit que l'ouvrier mérite son salaire? Quel est l'ouvrier qui mérite son salaire? C'est celui qui fait l'évangile. Je sais que tu ne veux pas ici. Cet ouvrier-là, on dit même une chose très intéressante. Il n'est même pas censé chercher un domicile. Donc, techniquement parlant, moi qui prêche l'évangile ici, vous tous qui avez une maison, techniquement parlant, techniquement parlant, je suis censé venir. Tu vois, tu me regardes déjà, tu es fâché. Je n'ai pas dit ça, mais je veux juste te dire que Jésus a dit. N'est-ce pas? Donc j'arrive, tu me donnes un toit, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Et après, tu me donnes à manger, et ensuite, à la fin, qu'est-ce que tu fais? Tu me payes. Est-ce que ce n'est pas trop bien, ça? Alléluia! Donc la parole dit bien que l'ouvrier qui mérite son salaire, c'est celui de l'évangile. Et j'aimerais parler ici souvent de l'évangile ou de ceux qui annoncent l'évangile et ceux qui sont relégués à une fonction généralement petite de la société. Mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Ah, c'est les enceintes qui font ça? Jesus Christ. Je croyais déjà qu'on était enlevé dans le ciel. J'ai cru que c'était la trompette qui arrivait déjà. On espère que vous allez arriver à régler ça dans le nom de Jésus là-bas. Donc, bien évidemment, lorsqu'on parle de l'évangile, l'évangile qui, lorsqu'il est annoncé, n'est-ce pas, mérite un salaire. Donc, pour Dieu, annoncer l'évangile, c'est un travail. Tu penses que tu es au chômage, c'est parce que tu ne travailles pas pour Dieu. Tu es au chômage ou tu es dans une période difficile aussi parce que tu ne veux pas travailler pour Dieu. Travaille pour Dieu. Et j'aimerais te dire que tu ne travailles pas pour Dieu pour le salaire. Si tu vas travailler pour Dieu pour le salaire, une réalité très difficile va te frapper. Un retour très difficile va te frapper. Tu vas comprendre que c'est très dur.
Tu travailles pour Dieu parce que tu aimes Dieu, parce que tu es appelé à ça. Mais tu as un travail. Tu n'es pas au chômage. Un chrétien n'est jamais au chômage. Ton patron n'est pas ton employeur n'est pas ton patron. Ton patron, c'est Dieu. Tu travailles pour le patron de l'univers. En réalité, tu travailles pour la personne qui a créé l'univers. Donc, quand ton patron te reçoit, il ne te reçoit pas en CDI, il te reçoit à temps partiel. Tu travailles pour lui 35 heures. Tu travailles pour Dieu 24 heures sur 24. Est-ce que tu comprends? Ton CDI est un temps partiel. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit ton CDI est un temps partiel. Tu travailles pour Dieu de façon pleine. Tu travailles pour Dieu à temps plein. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu travailles pour Dieu à temps plein. Et quand tu travailles pour Dieu à temps plein et que tu comprends que l'évangile est une mission, que l'évangile est un... Gloire à Dieu. Quand tu comprends que l'évangile est une mission, que l'évangile est un travail à part entière, tu vis mieux. Tu comprends? Tu vis mieux. Tu te comportes différemment. Tu agis différemment. Quelqu'un me suit? J'aimerais qu'on aille dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 9. Ok, on va aller dans le 1 Corinthiens 9, 11 à 14. 1 Corinthiens 9, 11 à 14. Si nous avons semé parmi vous. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul que beaucoup d'entre vous aiment. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment l'apôtre Paul. Mais qui sautent quelquefois ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens 9, verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels. C'est-à-dire là, qu'est-ce que je fais? Je sème des biens spirituels. Quand tu vas sur... Beaucoup d'entre vous, vous êtes spécialistes d'aller sur YouTube. Vous avez vos pasteurs préférés sur YouTube. Pas vos pasteurs que vous voyez, mais vos pasteurs préférés. Okay? Sur YouTube. Non, c'est vrai, hein, des fois, je vois des personnes qui me contactent, qui habitent loin, que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais rencontré. Gloire à Dieu pour l'Internet, d'accord? Ils ont des églises, ils ont des pasteurs, ils font des offrandes. Gloire à Dieu. Je ne veux jamais dire non pour une offrande. Tu veux donner, je reçois. Et puis après, il me pose des questions qu'il ne devrait pas me poser. Il me demande des orientations que ce n'est pas à moi de dire, c'est à ton pasteur. Jusqu'à preuve du contraire, si ton pasteur n'est pas en mesure, tu ne veux pas que ton pasteur réponde à tes questions concernant telle ou telle chose, parce que tu trouves que ça devrait être moi, à ce moment-là, ça veut dire que c'est moi ton pasteur. Et ça veut dire que tu es ingrat envers la personne qui travaille dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, continuons, verset 11. Est-ce une grosse affaire? Est-ce une grosse affaire? Est-ce que c'est un gros problème? Si nous moissonnons vos biens temporels. Ah. Si nous moissonnons vos biens temporels. Vos biens temporels, c'est quoi? Voiture. Maison. Est-ce que c'est grave si je prends ton iPhone? Il est... lisez la Bible, version... Je vais faire quelque chose désormais, quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Je vais prendre les versets et je vais les traduire version contemporaine. Vous allez voir que les versets seront différents. Je prends certains passages et on va bien rire. Ici, il dit, si je t'annonce les réalités spirituelles, ça fait quoi si je prends ta voiture? Ça fait quoi si je prends ta maison? Bien évidemment, on va faire attention parce qu'il y a tellement d'abus concernant ces choses-là, mais il faut que vous voyez la réalité de la parole de Dieu. Continuons. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Très bien. Continuons. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. L'apôtre Paul dit quelque chose ici. Il dit, bien évidemment, nous avons ce droit, mais nous n'utilisons pas ce droit. Pourquoi? Parce que souvent, quand on utilise ce droit, ça va vous donner une idée. Il est en train de dire, alors oui, j'ai le droit, je peux réclamer des biens temporels, je ne le fais pas pour que tu écoutes l'évangile, parce que sinon tu vas croire que je suis un mendiant. Sinon, vous n'allez pas être en mesure d'écouter. Et pour ceux qui annoncent l'évangile, voilà pourquoi je vous dis, alors oui, c'est écrit, oui, c'est véridique, mais si tu te dis qu'annoncer l'évangile, ça te donne de l'argent. Je le dis souvent lorsque j'ai été ordonné, lorsqu'on m'a ordonné, on m'a dit trois choses. On m'a dit, premièrement, si tu vas dedans pour l'argent, fais autre chose. Si tu vas dedans pour qu'on t'aime, fais autre chose.
Donc là, c'est déjà la mission, elle est déjà, l'ordre de mission est clair. Est-ce que quelqu'un me suit? Continuons. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. C'est encore la parole de Dieu. Tu ne veux pas, mais ceux qui servent à l'autel, ceux qui servent ici, ont part à l'autel. À l'autel. C'est aussi la parole de Dieu. Continuons. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est aussi la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est aussi, dis à quelqu'un, c'est aussi la parole de Dieu. Et du coup, ne rentrez pas dans cet univers chrétien qui est uniquement dans votre tête, rempli de philosophie qui veut détruire l'annonce de l'évangile, parce que l'annonce de l'évangile a besoin de ressources. Et les personnes qui annoncent l'évangile, et elles ont des responsabilités également dans leur vie. Vous comprenez ça? Et donc, ces gens-là, ces choses-là, ces gens qui vous disent, il y a une philosophie, ça c'est, annoncer l'évangile, c'est un hobby. C'est pas un hobby. Selon Dieu, c'est un travail, c'est une fonction sacrée. Que quelqu'un dise, c'est sacré. C'est sacré. C'est sacré d'annoncer l'évangile selon la parole de Dieu. Bien évidemment, je vais mettre un disclaimer. Est-ce que je peux dire disclaimer? Disclaimer, en utilisant ça, vous allez rencontrer aussi beaucoup d'escrocs. Et malheureusement, et j'ai presque pas envie de passer du temps sur l'escroquerie parce que les gens sont aujourd'hui beaucoup plus aguerris sur l'escroquerie que sur la vérité. Au final, on apprend aux gens à comment reconnaître un faux prophète, mais est-ce qu'on sait comment on reconnaît un vrai prophète? J'ai l'impression que tout le monde est expert pour savoir un faux prophète, ça ressemble à ça. Un vrai prophète, du coup, est-ce que tu sais à quoi ça ressemble? Il y a des gens qui sont expérimentés pour reconnaître un faux pasteur. Faux pasteur, non, un tel faux pasteur, un faux pasteur. Ils sont même habitués à détecter des faux pasteurs. Mais un vrai pasteur, du coup, ça ressemble à quoi? Du coup, quelquefois, quand tu rencontres quelqu'un qui te dit un tel est faux, un tel est faux, un tel est faux, si tu veux détecter, si l'honnête, dis-lui, ok, cite-moi 5 vrais pasteurs. S'il est incapable de te citer ça, c'est lui le faux. Parce que comment ça se fait que tu es capable de me citer ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, et tu es incapable de me dire 5 vrais. Tu connais 100 faux, tu ne connais pas un vrai. Même s'il y a 90%, cite-moi un. Alléluia. 2 Timothée 5, 18. 1 Timothée, 5, 18. Yes. Je lis. Car l'Écriture dit, très bien, tu n'emmuseleras pas point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Et ici, on parle encore de l'Évangile. C'est Paul qui écrit à Timothée, son fils en esprit, et lui dit, là où tu vas, pendant que tu annonces l'Évangile, tu mérites un salaire parce que tu travailles. Allons encore dans le livre de Galates 6. Galates 6 au verset 6. On n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau. Je sais, ça pique un peu, mais il faut que tu aies ça dans la tête. Yes. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est ça, tout sauf ça. Tout sauf, que quelqu'un dise vraiment tout sauf ça, Seigneur. Seigneur, à quel point? Seigneur, jusqu'à quel point est-ce que tu veux m'éprouver? À quel point est-ce que Dieu veut? Quand on dit tout, c'est-à-dire tout. C'est-à-dire tout. C'est-à-dire tout quand j'apporte 5 euros à l'église, c'est ce que j'ai prévu pour l'offrande? Ou tout genre... Amen, hein? Amen. Vous avez besoin de savoir que ces versets sont dans la Bible. Je dis, quelqu'un a besoin de savoir que ces versets-là sont dans la Bible. Amen. Amen. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est pour que vous compreniez. J'ai dit ces choses pour que vous compreniez que c'est un travail. Et j'aimerais vous expliquer quelque chose. L'envers du décor pastoral, c'est que très souvent, on fait 2 fois plus. Vous comprenez? C'est-à-dire que la mission et la réalité de la chose, c'est qu'en tant que pasteur, étant donné que je vous ai dit, ma mission, étant donné que je sais que je veux annoncer l'évangile, et que je ne veux pas que l'évangile soit biaisé par le fait que tu penses quelque chose, généralement, un homme de Dieu va être amené à faire 2 fois plus. Et gloire à Dieu, parce qu'il nous donne la grâce de faire 2 fois plus. C'est-à-dire que je vais travailler 2 fois plus. Je vais travailler ici et je vais travailler également ailleurs. Vous comprenez?
Je vais avoir la grâce deux fois plus, mais c'est la grâce de Dieu. Que quelqu'un dise c'est la grâce de Dieu. Et le Seigneur va pouvoir pourvoir de façon exceptionnelle. Et j'aimerais que vous compreniez que la provision de Dieu, quelquefois, ce n'est pas des millions de dollars qu'il va te donner. Mais ma foi, Dieu va t'ouvrir des portes qui sont exceptionnelles. Est-ce que tu comprends? Dieu va te rendre les choses faciles de façon exceptionnelle. Et ça, c'est là où tu comprends que c'est Dieu qui intervient. Il va te mettre, par exemple, le bon responsable. Waouh! Il va te mettre le responsable qui permet que, je ne sais pas, tu puisses aller à la prière jeudi, à l'intercession. Waouh! Il va te permettre, c'est Dieu qui va faire ces choses-là. Tu comprends? Alors, ce ne sera pas forcément sous la forme de « Ah, mais moi, j'annonce l'évangile, je chante, je dois chanter à l'église, je dois être stressé. » Il y a un moment où tu dois aller dire à Dieu, « Seigneur, comment je peux annoncer l'évangile dimanche et être stressé lundi au travail ?» Seigneur, ne permets pas ça. Tu as dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais mon salaire, ce n'est certainement pas d'être stressé quand je vais à l'église. Mon salaire, ce n'est certainement pas qu'on m'interdise de prier. Tu comprends? Il faut que tu saches que ces réalités-là sont dans la parole de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Seigneur, mon temps passe, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Je vais passer au point B. Le premier point, c'était le travail. Et je voulais que vous compreniez avec l'évangile. Mon deuxième point, mon point B, c'est quelque chose aujourd'hui auquel je tiens. C'est l'investissement. Dis à quelqu'un l'investissement. Amen. J'aimerais qu'on aille dans le livre de Ecclésiaste 11. Et on va lire du verset 1 au verset 6. Ecclésiaste 11, 1 à 6. Je lis la parole. Mm-hmm. Parole de l'Ecclésiaste. Parole de l'Ecclésiaste. Fils de David, roi de Jérusalem. Mm-hmm. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 11. Ça, c'est 1. 11, 1, verset 6. Mm-hmm. Jette ton pain sur la face des eaux, mm-hmm. car avec le temps, tu le retrouveras. Mm-hmm. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. La Bible dit ici, en gros, qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible, on va lire le verset, on va lire le 5 et le 6, mais j'aimerais t'expliquer en contexte ce que la Bible dit ici. La Bible dit ici, premièrement, jette ton pain à la face de la mer. C'est-à-dire que ton pain ou ce que tu obtiens, va dans un endroit et sème. Tu ne sais pas ce qui va revenir vers toi. Sème dans différentes façons. Tu trouves quelque chose à faire. Tu as un talent, une aptitude. Sème, fais-le. Tu sais dessiner. Sème, trouve un moyen qu'on te paye. Tu sais chanter. Sème, trouve un moyen qu'on te... Tu comprends? Tu sais parler, sème, trouve un moyen. Il y a quelque chose que tu sais faire que je ne rentabilise pas. Et la Bible dit ici, quand les nuages sont remplis, quand tu es rempli, il y a un moment où la pluie doit tomber. Mais ceux qui regardent à la pluie, ceux qui regardent, ah, c'est la crise, ah, il y a la guerre dans tel pays, ah, c'est compliqué, c'est la fin du monde. Et tu dis, ah non, ça va être compliqué. Il dit, ceux qui regardent, ils ne sèment jamais. Ah non, j'investirai plus tard, quand? Ah non, actuellement, c'est difficile, mais plus tard, je le ferai. Non, le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Celui qui observe le vent, c'est-à-dire qui observe la difficulté. Ah, c'est dur actuellement. Non, actuellement, il regarde les nuages. Les nuages semblent tomber. Là, ils semblent, on vous dit partout, crise, crise, crise. Tu dis, crise, 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 ça veut dire je ne dois rien faire. Quand, en plus, tu arrives au camp de grâce. Je te dis, Jésus revient bientôt. Tu dis, crise, Jésus revient bientôt. Allons à la maison, on va l'attendre. Je te dis que j'aille m'asseoir et que j'attende seulement Jésus. Le verset 5 nous dit, « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne sais pas ce qui va marcher. » Verset 6, « Dès le matin, sème, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, si l'un ou l'autre sont également bons. » Tu ne sais pas également ce qui va réussir. Tu ne sais pas également ce qui risque de marcher. Teste partout. Quelquefois, vous demandez à Dieu, vous avez l'impression de demander à Dieu. Je crois en ça, que Dieu peut te dire exactement ce qui va marcher. Mais dans ta parole, il te dit, je peux te dire ce qui va marcher. Mais au milieu de ce qui va marcher, il y a des choses qu'il faut que tu essayes. Ils disent que le taux de faillite moyen du millionnaire qui a réussi est de 3,5, je crois.
3,5. Ça veut dire que quelqu'un qui est devenu millionnaire ou qui a entrepris a échoué ou a fait faillite 3,5 fois. Il a échoué, il a recommencé, il a échoué. Et donc, il ne savait pas ce qui allait marcher. Et puis un jour, boum, ça a fonctionné. Tu sais faire quelque chose. Quelqu'un en a besoin. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu investisses et pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu investisses et c'est important? J'aimerais qu'on aille dans le livre de Proverbes 13, 22. Tu te dis, ah non, moi, ce n'est pas important. Jésus revient bientôt. Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas intéressé par ça. Investir, d'ailleurs, c'est les choses du monde. D'accord? Moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, Proverbes 13, au verset 22, te dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de sa maison, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Alors tu es en train de te dire, tu te dis peut-être, ah non, moi je n'ai pas besoin, je ne suis pas intéressé par ça, ça ne m'intéresse pas. Tu as un héritage à laisser. Dis à quelqu'un, tu as un héritage à laisser. Est-ce que tu es un homme de bien, tu es une femme de bien? Si tu es un homme de bien, tu es une femme de bien, tu as un héritage à laisser. Il y a quelques années de cela, je travaillais dans une société de recouvrement. Et c'est là que j'ai découvert des réalités qui étaient, dont je n'ai pas partie des recouvreurs, mais de formation, je suis commercial. Je travaillais là en tant que vraiment commercial. Et en travaillant, j'ai découvert des choses, parce qu'il y avait des gens qui étaient recouvreurs, ceux qui appelaient, ouais, ceux qui appellent pour dire aux gens, ouais, pour menacer. Là. Et j'ai découvert des choses terribles. J'ai découvert qu'il y avait certains appels qui étaient effectués. Il y a un jour, j'ai dû poser des questions à un moment. Il y a une collègue qui a appelé un jeune homme pour lui dire qu'il avait une dette. Et le jeune homme dit, mais j'ai pas de dette, je dois pas cette somme. Et là, je lui dis, mais ça vient de votre père. Votre père est décédé, et donc maintenant il y a les dettes, et donc vous êtes l'héritier de cette dette qui vous revient, en fait. Et il dit, je parlais pas à mon père, je truque pas, je veux pas en savoir, etc. Il dit, bah... Et il dit, mais ça ne nous concerne pas. Soit il faut que vous faisiez appel ou recours à une décision de justice ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, la dette vous revient. Amen. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom puissant de Jésus. Donc, ce qui veut dire que ce monsieur-là qui ne parlait pas à son père a hérité non pas du bien, mais d'une dette. Voilà pourquoi la Bible dit ici, l'homme de bien a des héritiers. Non seulement ses enfants, mais les enfants de ses enfants. De la richesse générationnelle, de la prospérité générationnelle. C'est-à-dire que ta prospérité est transmise de génération en génération. Tu as réussi à faire quelque chose qui fait que ça se transmet. Tu comprends? Tes enfants et les enfants de tes enfants sont capables de dire, ah, quand même, grande mamie, grand papy, quand même. Et tu me dis, non, investir, tout ça, non, pasteur, tu abuses, ça ne m'intéresse pas encore, parce que l'argent, etc. Ok, allons dans le livre de Matthieu au chapitre 25. Matthieu au chapitre 25. Et on va lire à partir du verset 24. Celui avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Ça veut dire que c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu est un homme dur quand il s'agit de récolter. Les chrétiens ne le lisent pas, c'est ça. Dieu est un homme dur quand il s'agit de donner le don de parler à quelqu'un. Au moment où Dieu récolte le fait que tu as annoncé l'évangile, il est dur dans sa récolte. Je t'ai donné le don de parler. Tu t'habilles bien, tu te coiffes bien, beau gosse, tout ça. Tu vois, tu es beau comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Et la Bible dit dans ce cas, à ce moment-là, il est dur. Ah, tu n'étais pas dans un pays en guerre. J'ai des martyrs qui sont morts qui ont dit, mais toi tu étais très beau, tout ça, qu'est-ce que tu y as fait? C'est ce que dit la parole. C'est un homme dur. Ah, je t'avais donné intelligence, tu étais capable. Il est dur, c'est ce que Jésus dit, c'est pas moi, c'est
à quelquefois, on ne veut pas regarder les choses comme ça. Lisons la suite. J'ai eu peur et je suis allé cacher... J'ai eu peur. Combien de personnes ont peur? J'ai peur de faire ça et que ça ne marche pas. J'ai peur de... Qu'est-ce qu'on va dire de moi? J'ai peur qu'on se moque de moi. J'ai eu peur. Le serviteur dit ici, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Dis à ton voisin, arrête d'avoir peur. D'abord, tu as peur d'investir, tu as peur de l'argent. Bien évidemment, il faut te méfier. Mais tu as peur de l'argent, tu as peur de ce qu'on te dit, tu as peur de les... Tu te méfies de tout. Tu vois un chat, un simple chat. Tu dis, j'ai peur. Tout ce que tu vois pour d'autres, tu vois un type d'animal. Il ne faut pas faire ça. Tu as un rêve, tu vois un petit serpent dans le rêve, tu te réveilles. C'est là que tu deviens combattant de prière. Tu avais juste regardé une émission sur les serpents. Mais dors, tu vas être fatigué le lendemain. Repose-toi. Est-ce que tu sais ça? C'est-à-dire que des fois, tu rentres dans des combats, c'est Satan qui veut te fatiguer bien. Il dit juste, il t'envoie un petit truc, il sait qu'il n'y a rien, mais comme la nuit, tu... Au nom de Jésus, je brûle, je découpe, je dors. Dis Satan, arrête au nom de Jésus, je te chasse. Et tu dors. J'ai eu peur, la peur, la peur, la peur, la peur. J'ai eu peur, ce serviteur-là, il dit, j'ai eu peur. J'avais un peu d'argent, déjà mon salaire est trop peu. Je gagne déjà ce que je gagne, c'est peu. J'ai eu peur, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enterré ce que tu m'as donné. Continuons, disons. Disons la suite. Talent dans la terre. Et dans voici, prends ce qui est à toi. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Continuons. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Tu le sais. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Dis à quelqu'un, investi. Investi. Alors moi, je fais quelque chose qui s'appelle le fait d'investir. Moi, personnellement, j'investis dans certains domaines. Ok, j'investis. Alors, j'aimerais juste donner un petit peu d'intelligence financière. Ok, quand tu investis et quand tu prends ton argent aujourd'hui et que tu le mets dans un compte en banque, ce que tu retrouves, c'est un certain pourcentage. Qui sait à peu près combien est-ce que tu as dans ton compte en banque avec un livret A? 2%, c'est trop. 2%, 0,5. Si tu n'y touches pas pendant un an. Si tu mets l'argent, c'est-à-dire que si tu mets 10 euros, tu n'y touches pas. Non, c'est mieux. Si tu mets 100 euros dans un compte et que tu n'y touches pas pendant un an, tu auras 50 centimes. Voilà. Voilà, c'est... Ce qui veut dire que pour toi, investir, ça doit être de trouver un endroit où tu peux avoir un meilleur taux d'intérêt. Amen. Investir, ça doit être ça. Je dois être en mesure de mettre mon argent dans un endroit où j'ai un meilleur taux d'intérêt. Quelqu'un me suit? Et il y a des moyens de savoir ça. Est-ce que vous savez que, par exemple, vous êtes ici, cadeau, allez sur Netflix. Vous avez Netflix, c'est gratuit. Il y a un documentaire qui vient de sortir sur Netflix. Gratuitement, dis c'est cadeau. C'est cadeau. Voilà, c'est cadeau comme ça. Allez-y, mais cliquez sur le documentaire. Je crois le moyen de l'argent ou quelque chose comme ça, c'est écrit. C'est quelque chose comme ça? C'est comment? Les moyens de nos ambitions. Allez juste et regardez ce documentaire. Et vous allez juste voir qu'il y a une information qui est donnée à un moment. C'est que le taux de retour moyen, par exemple, sur la bourse ou sur certains investissements financiers est de 10 ans. Le taux moyen, depuis plus de 100 ans. Est-ce que vous savez qu'il y a des compagnies qui payent des dividendes chaque mois? On vous dit qu'il y a la crise, etc. On parle du taux moyen. Ça veut dire 2008, vous pensez 2008, c'était très grave. Il y en a qui gagnent de l'argent. Vous dites 2020, c'était très grave. Il y en a qui gagnent de l'argent. Tu comprends? Warren Buffett investit, c'est un milliardaire. Il est là, il investit. Il dit la crise, c'est les meilleures opportunités.
quand c'est plus bas, c'est le moment où ils achètent. Actuellement, il y a des choses qui sont très basses. On fait partie, on est dans une transition, dans un transfert de ressources. On est dans un transfert de ressources. Il y a des ressources qui peuvent être utilisées avec une certaine décentralisation des finances. Je parle ici, par exemple, de crypto-monnaie. Je ne vous donne aucun conseil financier. Informez-vous, devenez intelligent sur votre argent. Mais sachez qu'il y a des transferts de ressources et il y a des gens où les citoyens lambda investissent et récupèrent de l'argent. Et il y en a dans cette salle qui avait investi dans certaines crypto-monnaies qui auraient pu être millionnaires aujourd'hui. Il y en a certains. Littéralement millionnaires. On parle de millions. Vous comprenez? Il y a des transferts de ressources. Je ne dis pas que tu dois aller dans tel ou tel domaine, mais tu dois savoir que je me dois d'investir. Je me dois d'investir. Je dois trouver un moyen d'investir. Si tu aimes investir dans la terre, parce que tu trouves la terre, c'est l'investisseur le plus fiable, va, investis. Tu es jeune, c'est les meilleures ressources. Il y a des choses que je n'ai pas faites à certains moments. Écoute, je suis dans une saison de récupération de certaines... Je ne sais pas si toi c'est pareil, mais moi je suis dans une saison. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ça fait très mal de savoir que tu es dans cette saison. On va aller dans le livre de Luc. De Luc au chapitre 16. Luc au chapitre 16. Vous voyez, les gens, quand il s'agit d'argent, ils aiment bien citer juste « Ah, mais il y a l'argent, c'est maman ». Luc, ça veut dire ici que c'est Jésus qui va parler. Luc 16, et on va lire à partir du verset 7, tiens. Luc 16, 7. Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi avec prudence. La Bible dit prudemment ici, le gars a fait des business bizarres. Mais allons, continuons. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Continuons. Et moi, je vous dis... Moi, c'est-à-dire qui? Jésus. Frère Eden, moi, c'est qui parle? Jésus. Tu es sûr? Frère, sœur, dans ta Bible, qui parle? Jésus. Chrétien, chrétienne, dans ta Bible, qui parle? Jésus. Toi qui me regardes ici, qui parle? Jésus. D'accord, ça marche. Ici, où est-ce que je suis? Toi qui me regardes, qui parle? Jésus. Non, d'ailleurs, l'équipe affichait le verset pour qu'il puisse lire. Ça va. Continuons. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Faites-vous quoi? Des amis. Des quoi? Des amis. Avec les richesses injustes. La version originale dit unrighteous mammon. Avec les richesses de mammon. Continuons. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand vous viendrez à manquer. C'est qui dit ça? Jésus. Qui l'a dit? Jésus. C'est après qu'il va dire, nul ne peut servir deux maîtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, fais-toi des amis et que ça te serve. Mais il ne faut pas que tu deviennes le serviteur. Le problème, c'est que quand tu n'as pas d'argent, tu deviens serviteur de l'argent. Tu vis pour l'argent. Écoute, tu travailles pour l'argent. Tu es lié par... Il y en a ici, je suis convaincu que vous aimeriez prier plus. Je sais, tu aimerais prier plus. Pourquoi tu ne pries pas plus? Parce que tu travailles, sois franc, sois honnête. Tu voudrais jeûner, mais toi-même, tu sais que si tu jeûnes, comment est-ce que tu vas tenir la journée, le dos? Tu as un travail où c'est le dos? Si tu ne travailles pas quand tu es devant l'écran, les maux de tête, tu ne pourras pas. Tu comprends? Tu travailles avec des gens qui disent des gros mots à longueur de journée. Ça te chauffe le cœur. Ils parlent de sujets qui ne t'intéressent pas. Ils pêchent. Des fois, ils blasphèment ta foi. Pourquoi tu es là?
parce que tu n'es pas ami avec les richesses injustes. Et la Bible dit, car les enfants de ce siècle sont plus prudents. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas chrétiens quand il s'agit d'argent, ils sont quelquefois plus prudents et plus intelligents que toi. Pourquoi? Parce que eux, leur vie, c'est ici. Toi, comme ta vie, c'est le ciel. Alléluia. Tu attends l'éternité. Et l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'argent n'est pas bon. Non, ici, il faut être ami. Alors déjà, j'aimerais expliquer ce verset. Il y a une des règles de l'argent où il faut aimer l'argent. Tu vas dire, ah, c'est un verset anti-biblique. Non, être ami de l'argent. Dans l'amitié, il y a de l'amour. C'est parce que dans la Bible, on a trois types d'amour. Agapao, c'est celui qui est réservé à Dieu. Phileo, c'est l'amour amical. Eros, c'est ce qui a fait que le frère Eden aille vers la sœur. Enfin, bon, c'est un autre message. Mais c'est pour un autre moment. Calmez-vous. Ce que Dieu te dit, tu n'as pas à agapao l'argent. Par contre, ici, il dit ami, phileo. Sois phileo avec l'argent. Aime l'argent. Pas du niveau d'être agapao avec l'argent, mais sois phileo avec l'argent. Il faut que tu aimes l'argent. Ah, il faut que tu aimes l'argent, que tu réfléchisses à... Je veux ça. Et on a dit ici, certains n'aiment pas l'argent, certains aiment le bénéfice de l'argent, voilà pourquoi ils souffrent. Tu veux des sacs de designer, tu n'as pas. Et tu, en même temps, c'est toi qui me dis, non, la racine de l'argent, c'est la racine. Mais tu as des problèmes, tu es contradictoire, tu n'as pas une seule voix dans ta tête. Et l'argent va vers ceux qui respectent l'argent. L'argent va vers ceux qui réfléchissent à avoir de l'argent. C'est réel. C'est réel. C'est juste, c'est comme, plus tu réfléchis, écoute, pose-toi 2 secondes, mets une feuille devant toi, réfléchis à avoir de l'argent. Tu vois, tu auras des boules, chez nous on appelle ça des boules, c'est-à-dire tu vas bouler comme, assieds-toi boule, c'est-à-dire casse-toi, trouve un moyen, le psaume 127 dit ceci. Le psaume 127 c'est l'un des psaumes, je ne l'ai même pas mis dans la liste des versets, etc. Mais le psaume 127 c'est l'un des psaumes, je vous fais partager, hein, d'alliance avec ma femme. Donc on prie des fois le psaume 127. Parce que le psaume 127 dit, et dans le 128 également, c'est écrit, il donne à ses bien-aimés, je crois que c'est le 128 là, il dit, il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Tu es riche quand tu as de l'argent qui rentre pendant que tu dors. Quand tu commences à avoir de l'argent, tu dors. Est-ce que vous savez que les gens qui ont de l'argent n'ont pas les mêmes 24 heures que toi? Écoute, les gens qui ont plus d'argent et qui n'ont pas de l'argent parce qu'ils ont de l'argent, qui ont investi, n'ont pas le même temps que toi. Vous êtes tous les deux dehors. Lui, il y a de l'argent qui rentre, toi, il y a de l'argent qui sort. Dis à quelqu'un, investis. Parce que c'est ce que Jésus dit. Sois ami avec les richesses injustes. Des richesses injustes, c'est-à-dire, maman, on ne t'a pas dit d'aller voler, tricher, etc. Non, non, ce n'est pas ça que je te dis. Et dis, sois ami avec ça. Commence à comprendre ça. Commence à te dire, comment est-ce qu'on fait pour... Qu'est-ce qui peut me rapporter? Commence à te dire, comment est-ce que je peux faire cette année pour être plus prospère que l'année dernière? Comment est-ce que je peux faire pour ne pas dépendre d'une seule source de revenus? C'est important. Vous savez, il y a un moment, quand je me suis mis à comprendre ça, j'ai compris ça plus tard. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis beaucoup engagé, tellement engagé. Et puis tu viens à Christ. Ton focus, c'est quoi? Le ciel. Tu penses tellement au ciel. Tu penses au ciel, tu prépares le retour de Jésus, tu prépares tes prédications, tu évites de parler. Est-ce que vous savez qu'au début, à l'église, j'avais tellement un rapport délicat avec l'argent. Au début, offrande et dîme. Je ne parlais pas de dîme et je ne parlais pas d'offrande. C'est-à-dire qu'au début, ceux qui sont, ils savent que l'offrande et la dîme, il n'y avait pas de temps officiel pour ça. Quand il y avait les charges de l'église, au début, j'avais quelques leaders que je retrouvais du coup. Et certains, je leur disais, bon, on va cotiser et puis on va payer. Parce que j'avais tellement, je me disais tellement. Et puis quand tu es pasteur, et puis je voyais très bien. Sur YouTube, ça, c'est dur. YouTube, c'est réel, hein, c'est sérieux. Et puis, quand tu commences à être, on commence à savoir, on peut connaître un peu ton nom. On va dire, il a parlé d'argent.
Il a parlé d'argent. Il a dévié de son message. Il ne prêche plus l'évangile. Donc, quand tu deviens, et puis tu deviens pasteur, donc qu'est-ce que tu te dis? Le royaume de Dieu. Et puis après, la réalité du royaume de la terre. Les factures arrivent. Tu regardes les factures. La facture te regarde. Tu la regardes, elle te regarde. Tu ne sais pas quoi lui dire. Elle est là, stable. Et vous avez remarqué, ils savent envoyer. Hein. Et du coup, moi, réellement, l'un des moments qui a été réellement un temps important, c'est réellement quand j'ai travaillé pour cette société. Et je me suis mis à travailler et je me suis dit, j'ai appris tard. J'aimerais que quelqu'un n'apprenne pas tard comme moi. J'ai appris tard. Du coup, aujourd'hui, je donne des cours dans la rubrique d'intelligence financière. J'investis, je fais du trading, je fais de la crypto-monnaie, j'investis dans des trucs. J'investis, je me lance un peu plus dans l'immobilier, j'investis dans trucs. J'ai investi dans certains endroits, tu vois, tu connais, pour avoir un peu des trucs à côté du cash et puis réinvestir un peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu connais un peu, il faut avoir les bises. J'ai la grâce de Dieu, je me suis rendu compte. Mais j'ai deux nationalités. Mais Dieu m'a donné une grâce, donc je peux aller là et puis je peux aller là. Oh, mais je parle déjà, je me suis rendu compte que Dieu m'avait donné des trucs, mais je ne parle pas que français, je parle anglais, je parle lingala, j'ai déjà été en Côte d'Ivoire, j'ai déjà été au Congo, j'y ai grandi, j'ai des amis dans tel endroit, mais je prêche l'évangile, donc j'ai un réseau. Ce qui veut dire que désormais, j'attends pas forcément, plus forcément l'argent du fait que non, je veux dire, non, il y a quelqu'un qui va faire une offrande. Si ça arrive, gloire à Dieu. Mais mon plus grand avantage, c'est mon réseau, c'est les choses que j'ai. Si c'est trop dur, je donnerai des cours d'anglais, si j'ai besoin de m'entendre. Tu comprends ce que je veux dire? Si vraiment c'est chaud, j'enregistrerai des cours d'anglais, je ferai une plateforme. Tu comprends? C'est déjà un bisque. Ah, tu vois, tu n'avais pas pensé à... Je ne serais même pas là et j'ai déjà commencé. Je fais de la formation pour ceux qui savent. Ceux qui savent, savent que la formation là, elle n'est pas gratuite. Si tu calcules bien, si tu calcules bien dans ce que je fais, à 1000 clients, ça fait 1 million. Ça, c'est une source où ce que je fais, en tout cas, je parle de moi, c'est une source où ce que je fais n'implique pas que je sois là. Parce que j'ai appris des compétences qui permettent de gagner de l'argent. Alors oui, par contre, j'ai investi dans le fait de... J'ai investi, c'est-à-dire que j'ai payé pour me former. Et les gens ne payent pas aussi pour se former, pour investir. Et les gens, et je parle aux plus jeunes, qui sont encore à l'école, qui sont dans des décisions d'orientation, choisis quelque chose qui va te rapporter. Arrêtez de... Non, j'aime l'archéologie. Alors si tu aimes l'archéologie, deviens le meilleur archéologue, parce que si tu n'es pas le meilleur... Frère, tu vas finir prof. Et tu vas... Et Paris, tu vas manifester. Hein? Non, on ne veut pas. Non. Non, on ne veut pas. Non, non. Plus de goûter à la cantine. Plus de... Et rien contre les professeurs, c'est une fonction dont on a tellement besoin. Mais tu comprends ce que je veux te dire? C'est une fonction dont on a tellement besoin et qu'on néglige tellement. Même les soignants, il faut que tu trouves quelque chose. Tu es soignant, tu es professeur, tu es je ne sais pas quoi. Trouve un moyen de faire ce que Jésus a dit. Deviens ami avec ça. Écoute, tu es ici, tu dois absolument. Tu veux un conseil? Ok, camp de grâce. Est-ce que tu suis moi, s'il te plaît? Tu dois absolument avoir toujours quelque chose à vendre. Si tu es ici, tu vois, tu veux pas. Camp de grâce, je veux que tu aies toujours quelque chose à vendre. Toujours, c'est-à-dire débrouille-toi. Fais comme tu veux. Aie toujours quelque chose à vendre. Tu as un travail, trouve quelque chose à vendre. Aujourd'hui, tu es tous les jours sur Internet. Tous les jours. Tu as je ne sais pas combien de followers. Qu'est-ce que tu leur vends? Vends-leur quelque chose. Tu es une sœur. Tu as le temps d'aller chez des trucs qui ne coûtent pas cher. Aujourd'hui, vous connaissez tellement de produits. Vous connaissez tellement de choses. Même moi, des fois, je regarde. Quelquefois, je me dis, hey, Seigneur, je suis même en retard. Et des fois, je me dis, mais je suis vieux. Mais attends, Seigneur. Hey, Seigneur, le temps. Mais vous connaissez tellement de choses pour certains. Pourquoi vous n'utilisez pas ça?
Tu ne fais que dépenser ton temps. Utilise ton temps aussi. Ah, c'est trop beau. Alors, si tu veux, vends tout. Aie toujours quelque chose à vendre. J'aimerais qu'on regarde Proverbe 31 au verset 16. Et j'ai tenu à prendre ce passage parce que je veux parler aux femmes. Proverbe 31 au verset 16. Je sais que vous êtes constamment sous la pression de cette femme de Proverbe 31 parce que c'est celle qui... On a tellement condensé de qualité, quand tu te regardes, tu es obligé d'être en... Tu es en compétition avec lui, mais finalement, cette femme, qu'est-ce qu'elle me veut? Elle pense à un champ. Elle pense, que quelqu'un dise elle pense. Elle réfléchit. Elle boule, que quelqu'un dise elle boule. Elle réfléchit, azo boulé, que quelqu'un dise azo boulé. C'est en lingala, ça veut dire elle boule, c'est-à-dire sa tête, elle pense à un champ. Qu'est-ce qu'elle fait? Aïe, 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 qu'une femme ici acquiert un champ. Quel que soit le champ que tu as, que tu l'acquières dans le nom de Jésus. Quel que soit le champ d'action que Dieu te donne, que tu l'acquières au nom de Jésus. Continuons, qu'est-ce qu'elle fait? Du fruit de son travail. Elle plante une vigne. C'est-à-dire qu'elle a déjà deux acquisitions, deux moyens d'acquérir de l'argent. Femme, tu n'es pas là pour dépendre d'un homme. Tu n'es pas là pour qu'il y ait un homme qui te dise quoi faire, que non, tu dépends forcément de quelqu'un. Non, tu es censé acquérir et avoir. Ça marque un respect de ton territoire. Tu ne vaux pas moins qu'un autre. Tu comprends? La femme de Proverbe 31 ici, elle est stratégique. Elle acquiert. Moi, j'aime bien l'homme de Proverbe 31 parce qu'il est juste posé. Ah, Seigneur, merci pour... Merci. Il est posé. Il ne loue pas. Il est loué aux portes de la ville. Ça veut dire aux portes de la ville, les gens disent, ah, tu as épousé quelqu'un, hein? Frère Iden, reçois cette grâce au nom de Jésus. C'est-à-dire que tu es là comme ça et tout le monde lui dit, ah, mais comment tu as fait? Il dit juste comme ça. Non, je voulais vraiment parler aux femmes parce que c'est important. Vous avez, et je sais que généralement les femmes sont smart avec ça aussi, mais vous avez des choses à vendre. Un jour, je parlais avec un monsieur qui a certaines ressources. Et ce conseil que je vous donne, c'est lui qui me l'a donné. Il m'a dit, le premier conseil que je peux te donner pour réussir à faire ce que j'ai fait, c'est qu'il faut que tu aies toujours quelque chose à vendre. C'est une des premières choses qu'il m'a dites. Et je lui ai dit, mais avoir quelque chose à vendre. Il m'a dit, mais je vais vendre quoi? Je lui ai dit, moi, je suis déjà comme... Il m'a dit, mais déjà dans ton métier, tu sais vendre. Mais il faut que tu trouves quelque chose à vendre. Il faut que tu trouves. Et dans la vente, il y a deux façons de faire. C'est soit tu vends quelque chose de pas cher qui sera vendu à beaucoup de gens, soit tu vends quelque chose de cher qui sera vendu à peu de gens. La différence entre les deux, c'est le niveau de compétence et ta capacité à marketer ce que tu vends. Tu n'as pas besoin d'être extraverti ou d'être moins timide ou plus timide. Tu as juste besoin d'être en mesure de parler de ce que tu fais et d'être passionné de ce que tu fais, d'aimer ce que tu fais. Tu es un enfant de Dieu. Si tu crois dans ce que tu fais, ne prends pas quelque chose dans lequel tu ne crois pas ou dans quelque chose qui va gagner sur les gens. Tu comprends? Ou tu vas juste emprunter ou profiter des autres. Non. Prends quelque chose auquel tu crois, quelque chose que tu aimes. Pour certains d'entre vous, c'est le maquillage. Certains d'entre vous, c'est le maquillage. Vous avez des amis filles. Pourquoi vous n'utilisez pas ça? Certains d'entre vous, vous aimez coiffer ou je ne sais pas quoi. Vous aimez coiffer? Coiffe? Coiffe? Et donne des cours de coiffure. Ça fait deux, dans le même truc. Ça fait, vend des trucs de coiffure, ça fait trois sources de revenus. Ça fait trois choses comme ça que tu peux faire. Et si tu es même malin, tu vends encore en vidéo, donc Internet te paiera encore. Ça fait quatre sources de revenus. Ça fait quatre, juste avec la coiffure. Juste avec la coiffure. Tu me dis, tu es un homme, c'est trop compliqué. Il y a le coiffeur de Steve Harvey. J'écoutais une histoire de Steve Harvey où Steve Harvey disait que son coiffeur était payé 7 000 $ par semaine. Et puis Steve Harvey a commencé à devenir chauve. Et il a dit son coiffeur a commencé à avoir des maux de tête. Parce qu'il voyait chaque jour, c'est lui qui fait les contours. Donc chaque jour, il voyait comment ça reculait. Il voyait comment ça diminuait. Et puis en échangeant avec lui, son coiffeur a utilisé le fait d'avoir coiffé Steve Harvey pour augmenter son tarif et coiffer d'autres personnes à d'autres prix. Premièrement, et deuxièmement, il s'est mis à donner des cours de coiffure et à former des coiffeurs.
Il est millionnaire, son coiffeur. Un coiffeur, quelqu'un qui fait les coiffeurs. Ah, ici, on a ici 10 euros. Lui, il facture 200 euros. Il te fait juste ça. Même à la télé, vous en voyez, non, n'est-ce pas? On ne va pas faire de publicité. Parce que tu le vaux bien. Il arrive comme ça, il dit, oh oui, oh, tu sais, ma belle, deux coups. 300 euros. Ah! Des fois, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait comme orientation? Tu sais, non, parce qu'il fait un peu, non, et puis tu sais, et puis, on va te faire une couleur, tout ça. Non, c'est de l'art. Il tourne comme ça, il fait tout ça. Après, il dit, 300 euros. Ah! Même pas l'heure, 20 minutes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, investi. Investi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te dit qu'il faut que tu investisses. C'est la parole de Dieu. Amen, hein? C'est la parole de Dieu. Point numéro 3, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Si tu es béni, j'aimerais que tu... Est-ce que ce que j'ai dit sur l'investissement, ça a du sens? J'espère que... j'ai pas dit quelque chose où tu te dis, non, ça c'est pas en accord avec la parole de Dieu. Ça a du sens, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Point numéro 3, c'est bénir la maison de l'Éternel. Mais ça, comme tu es déjà quelqu'un qui bénit la maison de l'Éternel, on va pas passer énormément de temps dessus, mais bénir la maison de l'Éternel, c'est le point numéro 3. Dans Malachie 3, 8 à 12, il est dit, apporte tes offrandes et tes dîmes dans la maison du trésor. Bénir la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Dans Actes 10, 31, la parole de Dieu déclare, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes envers le peuple de Dieu. Amen. Ta prière a été exaucée et tes aumônes se sont... Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Tes aumônes, ce que tu apportes, on va en parler un peu plus tard dans la zone du partage, mais ce qui a été apporté ici au peuple de Dieu, l'accent est mis sur le peuple de Dieu, parce que Corneille est un gentil, comme on dit, un païen, il ne fait pas partie d'Israël. Donc quand il apporte au peuple de Dieu, c'est une figure pour parler du fait qu'il apporte non seulement au peuple de Dieu, mais à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est important que tu saches ça, que tu travailles et que tu investis. Pourquoi? Pour donner à Dieu. C'est la source principale que tu as. Regarde quelque chose. J'ai fait, par la grâce de Dieu, par exemple, dans mon cas, je fais certaines choses et par la grâce de Dieu, certains ici, avec le prix de ce que je fais, j'ai donné gratuitement à certains pour qu'ils puissent gagner de l'argent. Je veux dire, je suis devenu une bénédiction par la connaissance que j'ai acquise. Je suis devenu une bénédiction pour d'autres. C'est énorme. Tu vois ce que je veux dire? Je suis devenu une bénédiction qui permet pour que Dieu bénisse aussi les autres au travers de moi. Vous comprenez? Par les acquis que je peux avoir. C'est la grâce de Dieu de faire ça. Mais ça veut dire que je l'ai fait et je me dis, en donnant, je donne à quelqu'un qui pourra bénir la maison de Dieu, qui pourra bénir sa famille, qui pourra bénir quelqu'un. Amen. Dis à quelqu'un, bénis la maison de l'Éternel. Amen. Le point numéro 5, le cinquième pilier qu'on a, que quelqu'un dise la loyauté. Que quelqu'un dise la loyauté. Mon temps passe, mais aujourd'hui, on va passer du temps dans l'enseignement et un peu de prière. Je suis désolé de prendre de votre temps. Excusez-moi. Mais on va continuer. Oh. Encore 2 minutes. Juste 2 minutes de ton temps. Mais 2 minutes du temps de Dieu. Une heure, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000. C'est 1000 ans. Donc 2 minutes, ça peut... J'aimerais te prendre l'exemple, le premier point et le premier axe lorsqu'on parle de loyauté, c'est la fidélité. Que quelqu'un dise la fidélité. J'aimerais qu'on aille dans le livre de... Je vais vous prendre 2 exemples. C'est celui de Ruth et de Joseph d'Arimathée. On a 2 personnes dans la parole de Dieu qui sont Ruth. Ruth est une femme, n'est-ce pas? Ruth est une femme qui perd son mari dans un moment et en même temps en Israël, il y a un temps de famine. Et au moment où il y a ce temps de famine, cet homme avait 2 épouses, avait une autre épouse. Cette autre épouse s'appelait Orpa. Et cette autre épouse qui s'appelle Orpa, au moment où ce mari meurt et qu'il y a la famine, Orpa va dire à Naomi, sa belle-mère, « Ok, je m'en vais ».
Et Ruth va dire, où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu, ta maison sera ma maison. De la fidélité, que quelqu'un dise de la fidélité. Elle est restée fidèle parce que je crois que son rapport avec sa belle-mère, elle s'est dit que ce n'était plus juste un rapport avec cet homme que j'avais, mais c'est un rapport avec cette femme qui est devenue ma mère. La fidélité, que quelqu'un dise la fidélité. La fidélité dans nos relations, la fidélité dans nos alliances, la fidélité dans nos amitiés, c'est notre l'axe, la bonté de Dieu, le caractère de Dieu, c'est celui de la fidélité. Voilà pourquoi est-ce que je vous parle de Ruth. Ruth 1 au verset 16 dit, « Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Que quelqu'un dise la fidélité. Et ensuite, on a cet homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Vous pourrez aller lire dans le livre de Marc 15, versets 42 à 43. C'est quelque chose d'être fidèle envers quelqu'un pendant qu'il est vivant, mais c'est quelque chose d'autre d'être fidèle envers cette personne pendant qu'elle est morte. Joseph d'Arimathée va aller voir Pilate pour demander le corps de Jésus pendant qu'il est mort. C'est-à-dire au moment où tout le monde est au plus bas, au moment où les disciples d'Emmaüs sont partis, ils ont dit, mais Jésus est déjà mort. Joseph d'Arimathée va dire, je reste fidèle à cet homme et je veux son corps. Au moment où il semble que les promesses de Jésus, que Jésus avait dit, celui qui croit en moi ne mourra pas, il aura la vie. Il est censé être la résurrection, mais ce Jésus est censé être mort maintenant. Joseph d'Arimathée va dire, je reste fidèle à ce Jésus. Je prendrai quand même son corps. Joseph d'Arimathée. Et il y a des gens qui doivent avoir, qui doivent comprendre qu'il y a un caractère de fidélité de Dieu. Mais quand on parle de fidélité, j'aimerais qu'on aille dans le livre de 2 Timothée 2 au verset 13. 2 Timothée 2 au verset 13 dit quelque chose d'important qu'il faut que nous comprenions en tant qu'enfants de Dieu. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. La fidélité n'est pas un trait de caractère que tu peux obtenir par toi-même, c'est un trait de caractère qui vient de Dieu. Je répète, la fidélité n'est pas un trait de caractère que tu peux obtenir par toi-même, c'est un trait de caractère qui vient de Dieu. Homme, femme, vous vous apprêtez à vous épouser dans une génération où l'infidélité n'est plus autorisée, mais c'est le mode de vie parfait du monde. La fidélité vient de Dieu, parce que la Bible dit « si nous sommes infidèles ». Donc ça veut dire que déjà, notre fidélité est constamment mise à l'épreuve. Et ensuite, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que nous soyons infidèles. La seule personne qui est fidèle, c'est Dieu, et c'est la seule personne qui peut nous maintenir. La fidélité envers nos amis, la fidélité dans nos relations, la fidélité dans les choses que nous bâtissons, que quelqu'un dise « sois fidèle ». Et la Bible dit 1 Thessaloniciens 5 au verset 24. Et voilà pourquoi j'aimerais que tu t'appuies sur Dieu. 1 Thessaloniciens 5 au verset 24 dit, « Celui qui vous appelle fidèle, c'est aussi lui qui le... » Il faut qu'on lise tous ce verset tous ensemble. Parce que ici, pour que tu ne mettes pas le poids du travail sur toi, j'aime la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 24, lisons-le tous ensemble. Celui qui vous appelle fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Qui le fait ? C'est Dieu qui le fera. Et c'est Dieu qui t'appelle. Même quand il semble que tu es infidèle, Dieu t'appelle fidèle. Il semble que tu as manqué. Comme moi, est-ce que ça t'arrive des fois de manquer ce que tu disais ? Tu as dit à Dieu, tu t'es engagé quelque part et puis tu as été... Ah, tu n'as pas réussi. Ben, celui qui t'appelle fidèle, c'est aussi lui qui le fera. La Bible dit, le juste tombe sept fois, il se relève. Ta fidélité n'est pas dans le fait que tu es tombé, ta fidélité est dans le fait que tu te relèves. Amen. Tu comprends? Ça, c'est archi important dans la parole de Dieu. Tu as fait un vœu à Dieu, tu n'as pas tenu ce vœu à Dieu, et aujourd'hui, tu t'en veux. Non, je devais prier tous les jours, je devais jeûner. Et aujourd'hui, j'ai pris un repas parce qu'il y avait un événement spécial, etc. Non, c'est Dieu qui est fidèle. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est Dieu qui est fidèle. Pendant que lui, il demeure fidèle. Même si nous sommes infidèles, lui reste fidèle parce que c'est Dieu. Amen. Donc la fidélité, c'est un trait de caractère de Dieu. Et il faut savoir que l'homme en lui-même ne peut pas. L'homme grand H. Que quelqu'un dise l'homme grand H. Il y a une sœur qui a dit, pendant qu'il fallait jeûner,
On lui a dit, mais l'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Elle a dit, oui, l'homme. J'ai dit, ouais, ouais, bravo. Elle a dit, l'homme. Donc, nous, les femmes, on est exemptés de ça. Donc, l'homme, grand H, amen, ne se nourrira pas de pain seulement. Amen. Et Dieu vous appelle fidèle. Que la fidélité soit le partage dans cette maison, dans le nom de Dieu. Le cœur, le point numéro 2 de la loyauté, c'est le cœur loyal. J'aimerais qu'on aille dans le livre de Genèse, au chapitre 20. Genèse chapitre 9, pardon, verset 20. Et c'est une histoire qu'il est important de comprendre. Lorsque je parle de loyauté, ici on parle d'un cœur loyal. Que quelqu'un dise un cœur loyal. Genèse 9, au verset 20. Je vais... Yes, let's go. Noé commença à cultiver la terre. Mm-hmm. Il planta de la vigne. Mm-hmm. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Wow. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau et le mirent sur leur épaule, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit de celui qui avait fait son fils. Il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Très bien. J'aimerais déjà que vous nous appreniez quelques leçons ici du passage, de ce passage lorsque je parle de cœur loyal. La première chose qu'il est important de savoir, le point numéro 1, c'est que la nudité de Noé était à l'intérieur de la tente de Noé. Et que donc ce qui se passe à l'intérieur de la tente de Noé ne concerne pas forcément les fils qui sont à l'extérieur et qui arriveraient à rentrer. Ce n'était pas le problème de Cham de découvrir ce qui se passe dans la tente de son père, parce qu'il était nu à l'intérieur de sa tente. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième point qu'il est important de savoir, ça veut dire que Cham n'était pas seulement affecté par la nudité, mais par le fait que le père soit enivré à ce moment-là. Et donc lorsque Cham va aller appeler ses frères, c'est dans un objectif et c'est dans une mission d'exposer la nudité de son père, d'exposer la faille ou la faiblesse de son père à ses autres frères. Mais j'aimerais t'expliquer que la nudité et l'ivresse de Noé n'ont pas enlevé la puissance dans la bouche de Noé. La nudité et l'ivresse de Noé n'ont pas empêché Noé d'être en mesure de maudire Cham et que Cham subisse les conséquences de cette malédiction. Le cœur loyal, c'est celui qui couvre. Pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui, on a des gens qui sont déloyaux, qui sont prêts? Et on a un exemple de déloyauté au plus haut sommet de l'État aujourd'hui qui passe sur toutes les chaînes. Deux frères. Et on a un exemple de déloyauté extrême et on a un frère qui fait preuve de déloyauté. Pourquoi? Parce qu'il expose la nudité de son frère. De la déloyauté. Et quand on a des personnes déloyales, on ne peut pas avoir de maison prospère. Le linge sale se lave en famille. Vous avez une famille, vous réglez vos problèmes dans votre famille. Avant d'appeler les gens à l'extérieur, on règle d'abord dans notre famille. Vous êtes marié, vous êtes un couple, vous réglez vos problèmes d'abord à deux. Quand vous êtes rencontré, vous étiez deux, il n'y avait pas des enfants, vous étiez d'abord deux. Les enfants ne sont pas les arbitres dans un mariage, que quelqu'un me dise amen. Amen. Vos parents ne sont pas les arbitres d'un mariage. Quand vous vous êtes réunis tous les deux dans la chambre, pendant que vous étiez tous les deux en train de faire Alléluia, Amen, merci Seigneur pour ce que tu nous as donné, il n'y avait pas de parents, vous étiez deux. Pendant que vous étiez tous les deux dans la chambre en train de faire Alléluia, Amen, merci pour cette bénédiction, il n'y avait pas de frères, de sœurs, de cousins, de tontines, de tata pour avoir leur opinion sur ce qui vous concerne. Vous étiez deux. Donc la loyauté veut que vous régliez d'abord les choses à... Le linge sale se lave en famille. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est important d'être loyal, d'avoir un cœur loyal. On a des chrétiens qui sont déloyaux. Leur objectif, c'est d'abord de mal parler de ce qui ne va pas au sein de l'Église.
C'est d'abord ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas à l'église, ce qui ne va pas chez un tel, ce qui ne va pas chez un tel. Et toi ? Le cœur déloyal, tu exprimes de la déloyauté. Tu es capable avec aisance aujourd'hui d'être avec quelqu'un et le lendemain de mal parler de cette personne. Tu as un cœur déloyal. Est-ce que tu comprends ? La loyauté fait qu'on est capable de tisser des alliances, d'être fidèle dans ces alliances. Un cœur loyal. Et aujourd'hui, on a des problèmes parce que les gens ne sont pas loyaux. Que quelqu'un dise un cœur loyal. Un cœur loyal. Ici, on a un cœur, ici, on a l'expression même du cœur loyal. Et c'est très intéressant parce que ce frère subit le backlash, en fait, de sa vie. J'ai vu qu'il a dit que désormais, il a été repris à l'ordre. Il veut que les situations soient apaisées avec son frère. Mathias Pogba, n'est-ce pas ? C'est ce qu'il a dit. Et j'ai vu les gens très, de façon très sage qui ont dit « ça y est, le virement est passé ». Vous voyez le problème ? Sa relation désormais avec son frère sera bâtie seulement sur le fait que le virement est passé. J'ai vu les vidéos où ils dansent comme ça tous les trois. Et on dit quand Paul faisait les transferts directs. Le cœur loyal est l'une des sources principales. Voilà pourquoi on a parlé d'argent. L'une des sources principales de déloyauté, c'est l'argent. Est-ce que vous savez la cause première de divorce ? C'est l'argent. Bill Gates a divorcé, vous avez entendu beaucoup de bruit ? Non, c'est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi ? L'argent. Jeff Bezos a divorcé, sa femme est partie avec 30 milliards. Tu ne l'as pas entendu se plaindre et il est toujours parmi les hommes les plus riches du monde. Tu ne l'as même pas entendu se plaindre. Pourquoi ? L'argent. Il n'y a pas de déchirure grave. Tu comprends ce que je veux dire ? L'argent. L'une des causes de déloyauté principale, c'est l'argent. Les ressources, ce qu'il y a. Voilà pourquoi les gens sont déloyaux. Les gens sont déloyaux parce qu'ils n'ont rien qui leur pousse, qui les pousse à l'intérieur d'eux-mêmes. La loyauté, c'est un trait de caractère à l'intérieur de toi. Je suis loyal à l'intérieur de moi. Quelquefois, la loyauté veut dire que je sais que tout autour de moi n'est pas parfait. Hein. Tu comprends ? Je peux avoir un père, il n'est pas aussi parfait que ça, c'est pas grave. J'ai une mère, ils ne sont pas aussi parfaits que ça. Mais je sais qu'à l'intérieur, je suis capable de leur dire leur vérité et d'échanger avec eux. Mais tu ne m'entendras pas aussi forcément à l'extérieur faire la publicité de ça. Que quelqu'un me dise « Amen ». Un cœur loyal. Je ne suis pas obligé d'exposer ma famille constamment. Un cœur loyal n'est pas là pour exposer sa famille. Et si ça a été le caractère de Cham. Amen. Le troisième point de la loyauté, ce sont les temps difficiles. Proverbe 17 au verset 17, qui dit ceci. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Dans les temps difficiles, pour qu'une maison soit prospère, il faut que les gens soient capables de naviguer dans les temps difficiles ensemble, soutenus. Parce que les temps difficiles arrivent, les circonstances défavorables arrivent. Mais je sais qui tu es quand je suis dans les temps difficiles. Quand tout va bien, tout le monde est amical. Mais quand on est dans des temps difficiles, je sais qui est avec moi. Quand je suis dans la saison de gloire, tout le monde est avec toi, tout le monde applaudit. Mais quand tu es dans la saison où c'est dur, qui est avec toi ? Et toute personne qui est ici, tu as besoin de connaître qui sont les gens loyaux avec toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de 10 millions d'amis, tu as besoin de personnes qui sont loyales. Et mon pari et mon conseil, c'est qu'il vaut mieux être avec des personnes loyales que toute autre chose. Quelquefois, il vaut mieux la distance qui impose le respect que la proximité qui tolère le mépris. Je répète, quelquefois, il vaut mieux la distance qui impose le respect que la proximité qui tolère le mépris. Quelquefois, tu as des personnes qui sont déloyales autour de toi et qui te méprisent parce que tu as besoin de proximité. Qui a dit que les gens doivent être proximaux avec toi ? Pourquoi est-ce qu'on doit être proche de toi ? Tu as des relations qui ne t'apportent rien et en réalité qui te transforment en quelqu'un de moins bien quotidiennement. Mais comme tu as besoin d'être entouré, comme tu as besoin qu'on te dise que tu es beau, que tu es belle, que ça va, comme tu es habitué. L'habitude ne veut pas dire que tu es dans une bonne relation. Il y a des gens qui sont en relation parce qu'ils sont habitués. Tu es habitué. Il y a des gens qui sont en couple parce qu'ils ont pitié. Non, si tu es en couple avec moi parce que tu as pitié, il faut partir, hein, franchement. Parce que tu as pitié. Non, franchement.
Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens qui ont des, qui veulent pas laisser certaines choses, tout simplement parce que ce n'est plus de la, de la, de la loyauté ici. Il y a des gens qui ont du mal à abandonner certaines choses, tout simplement parce que leur cœur n'est pas dans la loyauté, mais dans l'habitude. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est un autre point que je prendrai un peu plus tard. Voilà pourquoi est-ce que je voulais ici que vous compreniez que les trois points dans la loyauté, la fidélité, le cœur loyal et la capacité à traverser les temps difficiles. Les temps difficiles. Je suis fidèle dans les temps difficiles. Il y a des choses qui sont compliquées, mais je reste fidèle. Parce que dans les temps difficiles, c'est là aussi que les relations se solidifient. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit quand je dis ça? Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais qu'on se lève et qu'on prie pour les points que nous avons énoncés concernant les finances. Est-ce que quelqu'un est béni? Écoute, frère, sœur, c'est important que tu sois conscient que je pense que ce message, je ne l'annonce pas juste comme un message, mais je veux vraiment que tu comprennes que bâtir une maison prospère, ça requiert des principes. Tu es la maison prospère. Amen. Tu es la maison prospère. Avant que ça concerne les autres, ça concerne toi d'abord. Amen. Avant que je puisse... L'une des choses qui a révolutionné moi, mon entendement des choses, ça a été de me dire, il faut que je veuille totalement être restauré avant de bâtir une famille. Il faut que je veuille être un père. Parce qu'il faut que je veuille être un époux. Il faut que je choisisse ça et que de toutes mes forces, je le veuille. Parce que pour bâtir une maison prospère, la prospérité te concerne toi d'abord. Que quelqu'un dise, elle te concerne toi. Parce que pour qu'une église soit prospère, il faut qu'on ait des individus prospères. Il faut qu'on ait des familles prospères. Et vous comprenez que la prospérité, ça ne concerne pas la finance, ça a été un point, l'argent, ça a été un point en réalité. Mais il y a tellement d'autres points qui font que quelqu'un est prospère. Tu vois? Il y a une prospérité dans le cœur et dans le mode de vie des gens, dans le mode de vie de quelqu'un qui peut faire toute la différence. Et voilà pourquoi est-ce que je t'ai parlé de ça quand il s'agissait d'argent. Mais je veux aussi te parler de loyauté. Est-ce que tu es loyal? Est-ce que tu développes de la loyauté? Quels sont tes die-hard, tes amis fidèles? Quelles sont les personnes pour lesquelles tu es fidèle également? Est-ce que la fidélité, c'est un trait de caractère? Est-ce que tu as un cœur loyal? Est-ce que tu traverses des temps difficiles? Ou tu es l'ami des bons jours? À ceux qui se marient, est-ce que le mariage, ce n'est pas que les... bonjour ou les beaux jours, c'est aussi les temps difficiles. Il y a des circonstances qui sont favorables, il y a des circonstances des fois où il faut naviguer dans les tempêtes tous les deux. On s'engage, on part pour tout, on part pour les deux et puis on fait confiance à Dieu. Parce que c'est Dieu d'abord qui met ça en nous. Dans l'homme, il n'y a pas ça. Écoutez, des fois j'annonce l'évangile comme ça, je me dis, mais toi dans la vraie vie. Il y a un jour j'annonçais l'évangile comme ça, j'étais à Châtelet et j'avais des bannières. Et j'étais avec ma femme. Et j'annonce l'évangile et il y a un jeune homme qui arrive et qui dit à ma femme, côte de ma côte, chair de ma chair. Non, il était envoyé par Satan. Et d'ailleurs, il l'a dit. Et donc, il arrive à ma femme et il dit à ma femme, il lui dit, ta présence me dérange ici. Il dit, tu as des esprits qui me dérangent. Déjà, pourquoi je suis là, il va parler à ma femme. Je suis déjà... Là, je n'ai pas envie de prophétiser, j'ai envie de prophétiser déjà sur son visage. Quand il allait par là, j'avais déjà envie de prophétiser sur son visage. Déjà, c'était ma seule prophétie, c'était plus... Souvent, quand je prophétise, je dis aux gens de dire, Seigneur, quand je veux prophétiser, je demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu aimes à propos de lui? Là, je ne pouvais pas parce que je ne l'aimais pas déjà. Je pouvais, la seule prophétie que j'avais, c'était... Et puis après, il dit à ma femme, moi, mes esprits me dérangent. Donc j'ai compris que c'était spirituel.
Et puis après, il dit à ma femme, non, tu dois être une sorcière ou quelque chose. Il a dit sorcière. J'ai dit, Et puis je vois, et puis elle me dit, non, on annonce l'évangile. J'ai dit, ici, là, l'évangile, là. Non, là, c'est plus l'évangile. Là, c'est plus, là, c'est l'homme, c'est plus l'évangile. Je dis, mon gars, si tu ne descends pas d'ici. Je dis, mon gars, vaut mieux que tu... J'ai dit, là, là, c'est plus le prophète, c'est Yann. Je dis, là, mon gars, Yann, à la base, c'est un petit gars de Drancy, la Courneuve. Il a deux, trois potes qui peuvent venir ici en deux arrêts. RERB, on est à Châtelet. La pleine Stade de France, Gare du Nord, Châtelet. 15 minutes. Ah, j'ai dit, et puis les gars du quartier, à ce moment, je leur parle très bien. Donc, si. Et puis il me dit, wesh, qu'est-ce que tu... Et j'ai dit, mais toi, tu veux te parler en wesh? Moi aussi, j'ai parlé en wesh. Tu me dis des wesh, mais moi aussi, je te dis des wesh. Un cœur loyal, que quelqu'un dise un cœur loyal. Un cœur loyal. Et puis des fois, écoutez, des fois, tu as deux joues. On a dit, tu donnes, Jésus a dit, si on te gifle à gauche, tu donnes à droite. Après la droite, tu n'as plus de joue. Après la droite, quand tu as donné gauche et droite, il n'y a plus de joue. Vous voyez, c'est pour ça que les chrétiens, des fois, on est un peu... si on te prend ton manteau, donne aussi ta tunique. Tu n'as plus d'autre manteau après. Parce qu'après, l'autre, si tu as un autre manteau, c'est pour toi. Donc ici, si tu me gifles ici, je donne. Si tu me gifles ici, après, c'est toi qui as des joues maintenant. Les autres... Après... Non, parce que des fois, écoutez, des fois, ça sert à rien de faire les... On fait les chrétiens trop, et puis après, on te respecte. Non, j'ai deux joues. Après les deux autres joues, c'est toi maintenant que c'est toi. Est-ce que j'ai menti? Tu as trois joues ici? Tu en as deux. Voilà, on ne peut pas s'amuser avec ta famille. Non, un tel parle mal de ton frère. On parle mal de ton frère. On parle mal de ta mère. Pardon, c'est sacré. C'est trop sacré. Parce que les insultes sur les mères, les pères, ça va trop vite. La Bible dit, tu ne blasphémeras pas contre l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu a dit d'honorer père et mère. Toi, tu insultes mes parents. Donc, je vais les déshonorer si jamais je ne t'explique pas comment on honore. C'est ça de la loyauté. Il y a de la loyauté en famille. J'ai dit, il y a la loyauté en famille. Non, tu vas être là, tu vas parler comme ça. Ton père, c'est... Ça veut, bien évidemment, on veut être patient. Tu veux être patient. Tu veux mettre le caractère de Christ. Mais tu es loyal. Tu parles mal de certaines personnes desquelles je suis proche, on ne se parle plus. Je suis loyal. Je suis loyal. C'est-à-dire que je veux être loyal. Je sais garder des secrets. Le cœur loyal, c'est celui qui garde des secrets. Comment tu vas être intercesseur si dès qu'on te dit quelque chose, toute l'église est au courant? Limite, tu vas faire un live. J'ai des choses, des révélations très importantes. Comment tu vas être pasteur? Non, tu es appelé de Dieu, mais tu es incapable de garder des secrets. Dès qu'on te dit quelque chose, si on ne peut pas te faire confiance, tu n'es pas loyal. Un cœur loyal. Un cœur loyal, c'est un cœur à qui on peut confier des faiblesses. Je dis souvent ici, j'ai parlé la semaine dernière du fait d'être deux ou trois dans le témoignage. Mais si je viens te confier, frère, je lutte avec la pornographie. J'ai envie d'arrêter, mais je n'arrive pas. Mais si je viens te confier, deux minutes après, j'ai un live. Les frères de l'église, comment on va faire? Tu comprends? Il faut avoir un cœur loyal. On va prier. Un cœur loyal. Un cœur loyal, c'est un cœur qui dit, il y a des conversations, je n'aurai pas. Un cœur loyal, c'est ce qui préserve certaines relations. Écoutez, quand je suis arrivé sous la couverture de Papa Hubert Angel, j'arrivais sous la couverture et puis
Et puis, il y a des choses qui pouvaient se dire et qui pouvaient se faire. Et puis, je suis dans la maison. Et je suis au cœur des informations, au cœur de certaines choses. Et puis, j'entends ici, et puis j'entends là. Et puis on veut m'appeler pour dire, on cherche des informations. Mais il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est au courant qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ceci? Le gars est silencieux. Un cœur loyal. Le gars est silencieux. Pourquoi? Mon cœur est loyal comme ça. Et du coup, il y a des gens qui pensent que... Tu sais, quand tu es loyal, les gens pensent que tu es naïf. Quand tu es loyal, tu sais, quand tu es capable de maintenir certaines choses, les gens se disent, mais non, il est naïf. Déjà, l'homme est loyal. Je sais pourquoi je suis là. C'est une relation de famille. J'ai lu ce qui se passe ici. Je ne serai pas là-bas. Je ne serai pas dans les ragots. Je ne serai pas, j'ai dit moi, je ne serai, dans les ragots, je ne serai pas. C'est un cœur loyal. C'est un cœur loyal. Amen. On fera les autres points plus tard, je le crois. Peut-être lors d'un temps d'enseignement. Les autres points seront tout simplement la paix et le partage. Ce sont les deux autres points qu'on a. Comme ça, vous avez les sept points que nous avons faits. L'amour, la prière, les sept piliers d'une maison prospère. L'amour, la prière, le respect, les finances, la loyauté, n'est-ce pas? La paix et le partage. Quand on a ces sept piliers, une maison peut prospérer. L'amour. J'aime, je prie, je respecte les gens. Je gère bien les finances et je continue de prospérer. Je suis loyal. Je suis en paix avec moi, avec les autres. Je suis en paix. J'ai la paix qui vient de Dieu. Et enfin, je partage. On verra les autres, les choses en détail. Mais dans ces 21 jours de jeûne, l'idée, ce n'est pas juste de regarder ces points et de dire non, c'est un jeûne au hasard. Non, je veux que ce jeûne, pour toi qui jeûne, que ce soit réellement un jeûne où tu, chaque jour, que tu puisses t'asseoir avec ces sujets, te mettre devant le miroir de la parole de Dieu et dire réellement, Seigneur, mets ces traits de caractère en moi. Parce que ça vient de toi. J'aimerais que quelqu'un élève la voix et se mette à prier. We'll be right back.